Welkom allemaal op deze persbabbel na de wedstrijd Lierse-Lommel, gewonnen door de thuisploeg met 4-2. We gaan zoals normaal, ik ga van start met de bezoekende trainer, meneer Vreven. Welkom en graag uw analyse van deze wedstrijd. Dank u wel. Mijn analyse is dat ik vond dat wij goed aan de wedstrijd begonnen. De eerste 10 minuten stonden we goed in de organisatie, hadden we ook rust aan de bal. Tot aan die goal, een beetje ongelukkige vrije trap die binnen gaat. Ja goed, en dan begint eigenlijk de hel voor een coach langs de lijn. Hè. Dan verliezen wij alle controle, spelen wij met heel veel angst, heel veel afval in ons spel. En geven wij eigenlijk de goals weg zoals ik ze dit seizoen nog niet gezien heb bij Lommel United. Dus ja, dan wordt het dus een zeer moeilijk verhaal, hè, tegen een dynamisch, goed, voetbaltechnisch, zeer goed elftal als Lierse. Ja goed, daar praten we over in de rust. En dan probeer ik mijn spelers toch te raken op eergevoel. Hè, want ik heb een duidelijk gezegd, ja goed, op deze manier gaat het 6-7-0 worden. Ja, dat wil je zeker niet als ploeg zijnde in een eindronde zittend. Ja, dan vind ik wel dat we de tweede helft de ruggen gerecht hebben. Ik geef ook toe, dat is altijd makkelijker als het kalf al verdronken is. Maar ik vind wel dat wij een degelijke, voor ons niveau op dit moment nog, een degelijke tweede helft hebben gespeeld. Dus zelfs zo fel, ja goed, als die kans van de Regales die altijd binnen moet, dan krijg je echt nog even misschien een wedstrijd. Dus, maar voor de rest, ja goed, ik denk dat de eindronde voor ons voorbij is voordat ze begonnen is. 0-6, de concurrentie speelt 6-6, de andere ploegen hebben ook al punten. Dus, ja goed, ik verwacht niet dat wij de promotie in de eerste klasse gaan afdwingen. Maar ik verwijt mijn spelers wat dat betreft absoluut niks. Ik neem alle verantwoordelijkheid voor de keuzes, voor de manier van spelen, voor alles. Want goed, mijn spelers hebben mij te veel gegeven om hier nu harde woorden te gaan kraken. Dus wat dat betreft alle verantwoordelijkheid voor mij. Oké, dank u wel, meneer Vreven. Dan gaan we over naar de trainer van de thuisploeg, monsieur Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Aussi de vous l'analyse du match, s'il vous plaît. Bon après-midi, avec une bonne première mi-temps de l'ensemble de l'équipe, où on leur avait demandé de respecter l'adversaire, de respecter le jeu, de mettre de la vitesse, de créer le surnombre grâce au mouvement, d'être si possible réaliste par rapport aux occasions qu'on pouvait se créer. C'est ce qu'ils ont fait. Et devant une équipe de Lommel valeureuse qui a essayé de chercher à réduire les espaces. Et ça a été pour nous difficile de les déséquilibrer, mais à force de continuer à presser à la perte, à force de continuer à rechercher du jeu à une touche, du jeu à deux touches, pour mettre de la vitesse, on a fini par rejoindre les vestiaires avec un score de 3-0. La deuxième mi-temps, un peu plus décevante, mais c'est toujours un petit peu difficile quand on a une première mi-temps comme ça, où on a fait une différence au score, de rééditer la même performance en deuxième mi-temps. Il y a eu un petit peu, avec la fatigue, un petit peu de facilité. Les joueurs sont tombés dans la facilité en pensant que le match était déjà gagné, mais on savait que Lommel ne lâcherait rien jusqu'au bout. Et je pense que le quatrième but, qui vient juste après la réduction du score de Lommel, arrive bien, parce qu'autrement, la fin de match aurait pu être un petit peu difficile. Mais je tiens à féliciter l'équipe de Lommel qui a vendu crânement sa peau. Et puis pour nous, il était nécessaire de prendre les 3 points de manière à valoriser les 3 points qu'on avait pris à Eupen. Mais si la dernière fois on a gagné sans être la meilleure équipe, aujourd'hui je tiens à féliciter mes joueurs parce que je pense que la meilleure équipe a gagné. Voilà. Ok, merci. Monsieur Guillaume, dan gaan we over naar de vragen in de zaal. Le carton rouge, il est surtout, comment dire, il est conditionné par le premier carton qu'il prend bêtement, parce qu'il n'a pas, au moment où le joueur veut faire la touche ou récupérer le ballon, il tape dedans. S'il n'avait pas fait cette bêtise-là, il se serait contenté d'un jaune et il n'y aurait pas eu de carton rouge. Mais la conséquence de son premier carton fait que sur le deuxième, il y a un rouge. Maintenant, l'action, moi, je n'ai pas bien vu. On me dit qu'il y a eu un échange de coups. Dans ces trucs-là, on ne sait jamais, tant qu'on n'a pas les images, je peux pas vous dire exactement ce que j'en pense. Parce que ce que je peux dire aux joueurs, c'est que s'il n'avait pas fait la bêtise de prendre le premier carton, aujourd'hui, il ne serait pas puni. C'est,
Lui, il se punit tout seul et il punit l'équipe. Donc c'est un petit peu dommage. Nee hoor, het was niet echt een experiment. Ik vond tegen Eupen... Oh, sorry. Het was zeker geen experiment. Na Eupen vond ik dat zowel Jason Adesanya als Wouter Schelen het meest vermoeide indruk gaven. Dus als je weet dat wij, ik denk, ik ga het goed tellen, 13 veldspelers hebben die op dit niveau kunnen spelen. En dan heb ik eigenlijk twee posities waar ik kan roleren. En dat was dan toevallig op de positie van Wouter en Jason. Ik heb er goed over gesproken met hun. En zij waren het er wel mee eens. Dat zij doen ook de meeste meters heel het seizoen al in balverlies. Dus zij moeten het hardst werken. Dus ook daar verwijder ik hen niet. En ik had gedacht dat zowel met Gatovs als met Trossard, omdat zij met heel aanvallende back spelen, dat wij in de omschakeling daar wel iets konden doen. Dus, dat is er gewoon niet uitgekomen, zeker de eerste helft niet. Dus het was zeker geen experiment. Ik probeer een beetje te roleren bij die 13 spelers die ik heb. Non, il n'était pas blessé, mais c'est dans la gestion du groupe par rapport au calendrier. 6 matchs en 3 semaines, ça risque d'être dur. J'avais discuté avec lui dans la suite au match de Eupen où il m'a dit qu'il ressentait un petit peu de fatigue. Donc la chance qu'on a, c'est d'avoir des joueurs qui peuvent aussi remplacer les joueurs fatigués ou les joueurs suspendus ou les joueurs blessés qui sont aussi de bonne qualité. Donc s'appuyer sur un groupe aussi important en nombre et en qualité, c'est vrai que c'est plus facile. Mais il n'y avait pas de blessure, c'était juste pour récupérer. Diomandé, lui, par contre, il avait pris une béquille à Eupen et bon, quelque part, ça lui aura permis de se reposer lui aussi et d'être frais pour rencontrer Wachel dès jeudi prochain. Oui, ça pourrait être important au goal average, mais c'est toujours dommage quand on a des occasions de les louper, mais bon, je pars du principe que les joueurs ne font pas exprès, donc à partir du moment où il y a aussi le gardien de Lommel qui a fait des beaux arrêts, et c'est vrai que ça aurait pu être un score plus lourd, mais Lommel aurait pu aussi marquer un ou deux buts de plus. Ou c'est regrettable, c'est pour le spectacle et les spectateurs. Pour moi, personnellement, ça m'aurait fait plaisir, mais c'est plus pour le spectateur que quand il y a des buts, c'est sympa. Il risque, oui, d'être décisif. À la fois, on les va les prendre un par un. C'est vrai que dès la réception de Louvain, là aussi, partir avec une victoire serait bien. Et le retour à Louvain, en fonction des résultats qu'il y aura eu lieu entre Eupen et Lommel, il pourra, c'est vrai, ce quatrième match être décisif. Mais on peut aussi être obligé d'aller jusqu'au bout pour essayer de sauver notre place en première division. Mais pour l'instant... Match par match. Nog vragen? Geen vragen meer, dan kunnen we hier afronden en zien we elkaar terug volgende week donderdag voor de thuiswedstrijd tegen Leuven.